Hey, 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 coucou mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge. Et j'en profite aussi pour l'occasion de vous souhaiter une très 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 bonne semaine de Noël. Puisque mes petits Sims vont fêter aussi Noël et qu'on est parfaitement in time pour cette fois. Ce sera sûrement pas le cas l'année prochaine puisque je pense que le Decade sera déjà fini. Ah! Mais ne vous affolez pas, il y a des projets en cours. La tombe de Lionel a donc été installée dans le jardin. Il lui a lui aussi sa couronne de fleurs. Ça commence à faire pas mal de tombes. Ça se voit qu'on n'est plus du tout au début du challenge, mais plus vers la fin. C'est pas encore fini, malheureusement. Il va y avoir celle de Hélène un jour. Bon, j'ai pas du tout hâte que ça arrive, mais voilà. Sachant qu'elle est au dernier stade de sa vie, c'est sûr qu'elle viendra rejoindre les autres ici. N'est-ce pas, Arthur? Ah bah ça alors, il est quand même très très tôt, là, 4h du mat, et on a le majordome qui a décidé de se lever pour nettoyer. Et peut-être réparer la douche, ce serait pas mal quand même. Mais en tout cas, il vient esponger, c'est déjà bien. Oh là là, je sais pas, je sens le pire là. Je sens le pire, mon ami, c'est Raphaël. Cécile! Ah bah non, c'est Cécile, c'est la copine de Chantal qui est décédée. Voilà, et la sœur de Raphaël d'ailleurs. Oh, bah c'est sympa, ça va être sympa, ça va être la période un peu horrible, hein. En même temps, je pense qu'après deux décès en deux épisodes, on commence à se dire que ça allait clamser très souvent. Et qui c'est qui pleure parce qu'il a fait caca dans sa couche? C'est Matisse? Monsieur Matisse? Oh bah là, bichon! Oh là là! Alors, c'est pas que je veux pas être méchante, ma petite Simone, j'allais dire Nicole. Mais voilà, ça fait longtemps, hein, et t'as pas materné très très longtemps avant de mourir, donc laisse sa maman s'en occuper. Allez Esther, tu peux le faire. Et voilà, c'est le jour de Noël. Occupe-toi de ce gosse ou ce jeu. Ah, merci. Tu peux babiller, le serrer dans tes bras. Oui, je sais, t'as faim, tu iras manger après, t'inquiète pas. Ça fait du bien quand il se tait. Oui, alors sinon, la petite a des nausées de matinale puisque elle est de nouveau enceinte. Donc on espère que ce soit une petite fille, une petite rouquine. Pourquoi pas? Et il recrie. Oh là là. Non, bah c'est papa. Papa. Papa, viens nourrir. On s'en fout, arrête! Viens t'occuper de ton garçon quand même, un petit peu. Voilà. Papa, il va s'en occuper parce que maman, la maman, elle voit pas très très bien. Bon, l'Hélène, elle est pas trop trop en joie. C'est normal en même temps, elle vient de perdre son mari. C'est pas la super bonne nouvelle de l'année, quoi. Hein? Surtout la veille de Noël. Donc voilà, tout le monde est triste aujourd'hui. C'est un peu. Enfin, Esther, elle s'en sort, elle est contente. Elle est engrossée, donc forcément, elle est contente. Elle a le sourire, ça se voit. Alors, on n'avait pas encore décoré le sapin de Noël. Bon, on essaye de faire ça en famille avec un peu de. On va essayer de sourire, hein, et de vivre le truc sympathiquement parce que. Bon, bah, il faut bien que le sapin soit décoré, hein. Il manque l'Hélène, voilà, l'Hélène, elle arrive. Allez, on décore. Pour encore plus de bonne humeur. Allez, l'Hélène, oh, je suis d'accord, mais bon. Tu vas quand même inviter ta petite famille après. Ce qui reste en tout cas, donc il faut être de bonne humeur. Ah, c'est mignon. Ils sont contents, ça y est, ça commence à venir. Bande de petits chanceux. Faire Noël en famille, c'est quand même plus sympa. Oh, je trouve ça super mignon parce que là, sous les yeux de Pierre-Nard et Joséphine, les dernières héritières du challenge sont en train de décorer le sapin de Noël quand même. La petite bicoque, hein. Voilà, la vieille bicoque qui était la maison, qui est devenue un manoir assez sympathique, assez huppé. Voilà. Oui, je sais, j'ai toujours pas mis le tableau avec Gigi. Faudrait que je fasse une photo à la place et puis je la mettrai. Je pense que ce sera beaucoup plus sympa. Oh! Faites-moi voir ce beau petit sapin. Pourquoi il y a des boules par terre? Vous allez me ramasser ça quand même. Oh! Ah! Quel joli petit sapin! Mais par contre, il y a toujours des boules par terre, hein. Pourquoi il y a toujours un truc qui va pas avec mes sapins? C'est des abrutis à ce point qu'ils savent pas mettre des boules dans le truc? Oh, c'est beau!
Ah, voilà, bon, c'est strictement dégueulasse avec les boules qui traînent par terre, mais je ne peux rien y faire. Réinitialiser des décorations, des ornements. Ouais, ce sera mieux comme ça. À la limite, je vais le laisser comme ça, c'est tout aussi mignon. Et tu vas ajouter... Alors, attendez. Admirer les décorations, oui. Plus de choix. Placer un tas de cadeaux sous le sapin. Voilà, comme ça, ce sera vraiment Noël, vu que les cadals seront déjà là à attendre la petite famille pour qu'ils puissent s'ouvrir au petit matin. Bon, on dira pas, mais le Père Noël est passé, hein. Chacun était maître des cadeaux, donc c'est cool. Est-ce toi, t'avais déjà été en cours? Je sais pas si c'est 107 maintenant. Non, oui, mardi, mardi. Bon, voilà, 13h30. Ok, parce qu'elle a été au cours du matin, mais il va falloir qu'elle aille à celui-là après. Ils nous disent pas, hein, parce que comme c'est facultatif vu que c'est Noël, mais bon, j'ai quand même envie qu'elle y aille. Ce serait dommage de louper un jour de cours. Oh, c'était mignon. Elle était en train de lui chanter une petite berceuse. Bon, bah vous avez tout loupé. Bon, Matisse a besoin de toi, papa. Il vient de faire dans sa couche alors que sa mère était là 2 minutes avant. Donc tu vas pouvoir t'occuper de lui comme un beau papa que tu es, hein? Voilà. Allez, regardez comme il est fier. Oh, moi je suis un homme. J'ai un gosse. C'est un mâle. Il va avoir les cheveux roux comme moi. Moi. Tu fais quoi, toi? Non, tu vas pas t'occuper du petit. Elle va en cours plutôt, Yeller. Oh là là, bah ça fait une demi-heure qu'elle a loupé déjà. Allez, ma petite, vas-y. Alors, ma petite Esther, vu qu'elle doit atteindre le niveau 2 de la compétence peinture pour son travail. Mais oh, bah non, tu vas la faire. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ces Sims, cela? Esther, reviens ici, Esther. Mais c'est pas possible. Viens ici. Mais what? What? What the fuck? Viens ici, je t'ai dit! Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas possible, hein? Après, on va se dire, mais comment tu fais pour avoir des bugs? Mais j'en sais rien, regardez, ils veulent pas. Elle veut pas. Abandonne celle-là. Ah, et puis le petit. Ah, j'en peux plus. Celle-là, tu vas vouloir la faire, s'il te plaît? Le petit va pas bien. Oh, mamie Hélène! Il y a ton petit-fils qui a besoin de toi. Allez, vas-y, occupe-toi, ça va te rappeler des souvenirs. Hein? L'Hélène. L'Hélène. T'es buggée. Ah, c'est bon. Ouf. Oh, ben ça y est, elle a atteint le niveau 2 de la compétence. Je lui ai laissé finir sa toile. Et elle pourra les manger comme récompense. Et puis, on va vite passer à préparer un dîner hein, pour Noël. Pour recevoir les invités. Bon, lui, il raconte des blagues, hein, c'est pour son taf aussi. Tu peux pas l'aider à faire des devoirs, toi. Non, mais tu peux essayer de l'illuminer sa journée. Parce que notre petite Anaïs, elle est trop mignonne, elle fait ses devoirs. Alors, il y a quelque chose qu'il fallait que je regarde par rapport à l'épisode dernier. C'est Ninodienne, si je dis pas de bêtises, qui me dit celui-là, il devrait être en couple avec Anaïs. Donc, faudrait qu'on l'invite. On va l'inviter maintenant, comme ça on pourra voir. Elle pourra faire connaissance avec lui et peut-être. Voir s'il y a quelque chose de faisable avec le petit Tommy Russell, même s'il est glouton. Voilà, Tommy est arrivé, il est rentré. Et elle va faire une présentation polie, Anaïs, comme ça on saura tout de lui. Hein. Surtout savoir s'il est marié, parce que... Voilà. Alors, pour l'instant, non, il n'y a pas l'air... Ils n'arrêtent pas de faire oh, c'est assez rigolo. Non, pas la blague grossière. Ça va être mal vu. Tu vas complimenter sa tenue, ça va, il est bien habillé. Le complimenter tout simplement. Discuter des centres d'intérêt. Et puis peut-être une petite blagounette comme ça. Rire en disant oh, tu l'as déjà fait, mais on refera. Et puis un autre compliment. Et je pense qu'on sera bien. Et puis à la même occasion, en amour, tu peux lui demander s'il est célibataire. Voilà. Allez! Il est l'heure là de faire le dîner qu'on va inviter. Et voilà, les invitations sont lancées, les invités et ben commencent à arriver. Mais qui es-tu? Toi, on sait pas. Regardez, on a comme les cousins qui commencent à arriver. Qu'est-ce qu'il a, lui, il est content. Demande un gros prénom, tu vas remercier d'être là. Allez, Lélène, allez, vas-y. Sois triste. Sois triste, c'est Noël. Non, sois contente.
Ah, mais toi, t'as... et Non, puis en plus, t'as non, la non, classe, non, non, ça. les enfants de ton frère aîné, sont très contents de te Non. voir. Ah non, vous ne rêvez pas, le majordome est bien en train de picoler! Tout va bien! Bon, allez, on va tous s'asseoir dans le coin là, on va, voilà, s'asseoir, discuter, tout ça. T'as discuté avec le Tommy là? Oh, je pense que oui, parce qu'elle est toute excitayounée là. Qu'est-ce qui se passe? Bah, Hélène, tu peux venir ici discuter avec les invités, ce sera sympa. Bon, il y a du vieux dans l'assemblée, j'espère juste qu'ils vont pas claquer pendant le dîner, ce serait dommage. Oui, Chantal, qu'est-ce que tu fais là, ma petite Chantal? Bah, Chantal, elle vient de perdre sa femme, alors. Et Guillaume, sa belle-mère. Donc, bon, voilà. C'est pas très gai tout ça. Oh, il y a Laura qui est là. Par contre, Laura, tu me donnes froid. Tu me donnes très froid. Voilà. On pourrait discuter à l'intérieur, mais par contre, ouais. Elle est pas très habillée, la pauvre. J'ai rien dit. Nadine, c'est encore pire. Je n'ai pas vu le traiteur arriver, donc on va faire le dîner avec de la dinde. L'Hélène, s'il te plaise, viens faire à manger pour tout le monde, ma belle. Ouais, d'accord. C'est bien, Chantal. Sois pas en colère, Chantal. C'est comme ça, c'est la vie. Voyons. Mince. Et le petit Matisse? Voilà, il a eu sa couche changée. Papa, il est tout beau, il s'en occupe. Oh, Chantal, calme-toi! Laisse-nous tranquille, bon sang! Oh! Bon, pendant ce temps-là, ça commence un peu à discuter dans le salon. Heureusement, il est 22h. Tout va bien, c'est bientôt fini, Noël, bientôt, hein. Mais bon. Hélène, elle met 10 ans à faire à bouffer. Mais arrête! Non, mais c'est bon, discute pas! Tout va bien, allez! Tu vas pas être couché, non? Machin, là, comment il s'appelle? Voilà, il est déjà en pyjama. Allez, tu viens t'asseoir, tu viens discuter. Comme tout le monde. Oh, regardez! C'est Raphaël! Le papa d'Esther! Il est encore là, il est encore vivant. Tiens, appelle-le pour qu'il vienne quand même dire bonjour. Et j'avais vu Eva passer. Je ne sais pas où elle est partie. Hélène, tu vas le finir, cette dinde! Arrête de parler à tout le monde, c'est incroyable! C'est à cause de Chantal, là, elle est relou! Hé, Chantal, un jour, Chantal, toujours, hein! C'est pas possible. Ok, très bien! Le traiteur arrive seulement maintenant! C'est logique, bon sang! Merci, hein, on a commencé le truc à 19h quelque chose, hein. Il est 23h30! J'adore ce jeu. Nadine, elle a le feu aux fesses! Enfin, pas tellement, c'est plus les feux aux seins. Ah, je vous jure, c'est pas possible cette famille. Mais quoi? Mais non! Mais vous allez vous occuper des invités, mais what? En plus, vous êtes des hôtes là. Ah non, hein, ça va plus cette histoire. Ah, bah elle est là, Eva. Elle est là, Eva, avec son papa. Qu'est-ce qu'ils font là, ces idiots? Vous allez vous présenter quand même, Alexander. Alexander, tu vas te présenter, s'il te plaît. Voilà, on retrouve la sista. Tu vas raconter une histoire drôle si tu veux. Tu vas partager la grande nouvelle aussi, parce que bon, là ça se voit quand même, Esther, qu'il y a du bidou. Mais bon, au cas où ta sœur serait un peu bête. Puis vous êtes des blondes en même temps. Je rigole les blondettes, hein, bien sûr, vous inquiétez pas. Oh! Mais what? J'en ai marre. Et après, vous vous demandez pourquoi? Oh, mais regardez, elle est partie dormir sur la piscine! Oh non, mais c'est pas possible! C'est du grand n'importe quoi! Bon, ça arrive la bouffe ou quoi là? Mais non, pas meurt de froid! Allez, Anaïs, rentre vite à la maison là, ça va plus! Hélène, elle est finie ta dinde là? C'est pas possible, il y a 1h du mat quoi! J'en peux plus! Allez, bougez-vous les fesses! Oh bon sang, la dinde est enfin prête! Mais en plus, elle l'avait rangée dans le... Oh là 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 là, oh c'est plus possible. Allez, tu vas annoncer parce que là, ça devient n'importe quoi. Oh là là, tout le monde se marre, hein. Qu'est-ce qu'on rigole, hein. On a violé le frigo juste pour pouvoir pas mourir de faim parce que sinon ça ne va plus. Allez, Hélène! Ça y est, il y a 1h30 du matin, vous pouvez enfin manger. Et j'ai réuni les filles pour qu'elles ouvrent un cadeau de Noël tout ensemble. Regardez, bon, les filles, les sœurs quoi, Esther, Eva, Laura et Anaïs, pour qu'elles puissent ouvrir un cadal. Voilà, le dîner, ben, ils vont tous se barrer. Ah, et le petit, il est en train de pleurer. Punaise, j'en peux plus. C'est le grand nawak. C'est le grand nawak!
Et vous venez quand ouvrir les cadeaux en fait? Jamais? Mais Anaïs, y a que maintenant que c'est à cette heure-ci que t'arrives. Non mais voilà, elles sont toutes parties, regarde. Elles sont toutes parties manger, mais au final elles vont pas manger. Oh là là, mais ce délire. Ce délire quoi. Oh punaise, j'en peux plus. C'est du grand nawak. Ah si, Laura est en train d'ouvrir un cadal. Alors? Qu'est-ce que t'as trouvé de bon dans ton truc? On saura pas parce que on te. Voilà, mais. Au moins elle a ouvert un cadeau, c'est bien. Ah ça y est, Hélène aussi. Eva aussi. Une maquette d'avion acrobatique préassemblée. Waouh! Ça, c'est quelqu'un qui la connaît très bien qui lui a offert ça. Hein. Je sais même pas où on trouve ça. Ça doit être dans l'inventaire de la famille. Bon, bah écoutez. Eva. Et voilà notre petite Esther qui va aussi ouvrir son cadeau de Noël. Qu'est-ce que ça va être? Ah! Attention, j'ai peur. Un lot de graines fruits pour débutants. Oh, quel super cadeau! Alors arrêtez de vous plaindre. Si vous vous plaignez de ce que vous avez eu à Noël cette année, franchement, pensez à Esther et son lot de graines. Merci. Et Anaïs, là. En tout cas, ça brille à chaque fois, c'est mignon. Un chandelier 2011 d'or sous. Ben, c'est vachement bien, t'as de la chance, toi. Oh, la bitch. Pauvre gosse qui hurle depuis des heures. Ah, heureusement que papa arrive. Mais papa, il a bouffé son bout de dinde avant de s'occuper de son fils, hein. Faut pas déconner non plus, hein. Alors, tu as appris qu'il était glouton, certes. Oh, le petit pleure encore, j'en peux plus. Oh là, Hélène, elle a eu un petit bug. Bon, il a l'air plutôt réceptif à la drague. Est-ce que tu peux lui embrasser les mains? Et faire une petite technique de drague, histoire de. En plus, devant des pancakes qui puent, c'est génial, franchement. Ah, et puis, tu vas voir la papillote surprise, tiens. T'es aussi? Prends une papillote surprise, je sais pas ce que ça fait. Toi, t'es où, toi? Va t'occuper de ton fils, s'il te plaît. Il a fait caca. S'il te plaît. Par contre, le petit Mathis n'a pas encore grandi. Bon, allez, ce sera dans la nuit, hein, donc. Ça devrait pas tarder, il est 4h du matin quand même. Cette papillote surprise était remplie de confettis, de bruit et d'une odeur de sapin. Quasiment tout ce qu'il faut, sauf que quelqu'un a oublié d'y mettre le vrai cadeau. Ah, mais non, il y a un cadal dedans. Ok, très bien. Bon, ma petite Esther va te coucher. Je pense que t'as la fatigue. T'as la fatigue. Et vous? Mais vous, ça se passe bien, j'ai l'impression. Anaïs, le petit Tommy te plaît bien. En même temps. Pouf! Allez, la papillote. Qu'est-ce que t'as eu dans la papillote? Ah, elle a eu un petit bonbon. Anaïs a ouvert la papillote surprise et a découvert un bonbon à l'intérieur. Ça n'arrive cependant pas à déterminer le goût. Mon Dieu, mais attends que c'est pas un goût vomi, ça ira. Oh, la petite. Oh, le petit. C'est un rouquin! Ta-ta-da-da-ta-ta! Le petit Matisse, c'est un rouquin! Ah, vous l'attendiez, et le voilà, le petit rouquin de la famille, ça faisait longtemps. Ah, il est trop mignon. Il est trop mignon et il sera 1, 2 et 3. Pénible, super. En même temps, il était déjà en tant que bébé, j'ai envie de dire. Pourquoi pas? Allez, petit. Oh, il est trop chouchou. Bon, ben voilà, tu peux jouer, tu fais ta life. Allez, Anaïs, je t'autorise à aller dormir. Et c'est sur l'image de ce petit bout de chou qui fout de la dinde partout que je vais vous laisser moi pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Je vous souhaite encore une fois à mon tour un joyeux Noël. En tout cas, profitez-en, que vous soyez seul ou pas. Ou accompagné ou pas. Allez, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour des challenges ou autre chose. Salut!